Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai tiré beaucoup plus de cartes que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de faire comme ça cette fois-ci. Et donc déjà pour commencer, les énergies astrologiques. Alors par rapport à cette nouvelle lune, elle va se trouver dans le signe du taureau, donc la lune et le soleil en taureau. Et pour une fois, je peux vous parler d'une nouvelle lune avec des magnifiques énergies, donc ça change. Tout simplement parce que dans le signe du taureau, il y a actuellement, comme vous le savez, la conjonction de Jupiter et Uranus qui est particulièrement importante. Et dont je vous ai parlé hein, dans mes guidances précédentes ou mes guidances écrites sur Facebook ou Instagram hein, également. Donc cette conjonction de Jupiter qui représente l'expansion et Uranus qui représente le changement est conjointe à cette nouvelle lune, donc est conjointe au Soleil et à la Lune, mais pas que, hein, il y a également Vénus, la planète de l'amour qui est rentrée dans le signe du taureau et qui fait partie de la fête. Donc Vénus, qui je vous le rappelle, gouverne le signe du taureau, donc elle est chez elle, donc sa puissance est forte, d'accord, elle est vraiment, elle se sent bien, elle est dans son signe, donc il peut y avoir plus de chance, hein, il peut y avoir un coup de chance, mais un coup de chance important, d'accord, étant donné Jupiter et Uranus vraiment pas loin. Donc ça peut être un nouveau départ, plus qu'important et très, très harmonieux en fait hein, dans un domaine de votre vie. Qui dit nouvelle lune dit toujours nouveau départ hein. C'est toujours une période de toute façon qui symbolise bah voilà, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de fonctionner. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui débute à chaque nouvelle lune. Mais là, étant donné justement cette conjonction rare hein, de Jupiter et Uranus dans le signe du taureau, il peut y avoir justement un nouveau départ vraiment beaucoup plus important que les autres. Ça peut se jouer dans le domaine relationnel, comme un mariage ou une déclaration d'amour ou un engagement dans une relation qui pourra se... qui pourra se construire pendant des années, voire même pour toute la vie, hein, pour les plus grands chanceux. Donc voilà, ça peut aussi se jouer sur le plan matériel, matériel et financier. Donc ça peut être une bonne nouvelle au niveau financier, ça peut être un gain d'argent, ça peut être un don, un héritage, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier. Voilà, hein, il peut vraiment y avoir... quelque chose d'important comme ça. Donc c'est un moment fort et important qui amène une opportunité en fait, hein, une opportunité assez unique dans une vie en fait, parce que cette conjonction d'Uranus et Jupiter dans le signe du taureau est rare, hein, comme je vous ai dit. Il faudra vraiment donc en profiter en fait, hein, cet amas d'astres, j'allais dire cet amas planétaire, mais voilà, c'est pas que des planètes, il y a aussi des astres, donc voilà, cet amas d'astres dans le signe du taureau montre vraiment que ce nouveau départ ou cet engagement peut dorénavant se faire parce que il y a toute une période de remise en question ou de réflexion qui est maintenant terminée. Voilà, le taureau, il se lance jamais à la va-vite en fait dans un projet. C'est vraiment un signe qui prend le temps pour y réfléchir, pour organiser, pour préparer le terrain en fait. Par contre, quand il se lance, eh bien c'est vraiment pour du stable, c'est pour du concret. Voilà. Donc quand on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune, il n'y a pratiquement que des aspects harmonieux, notamment avec Saturne et Neptune qui se trouvent en Poisson, mais aussi avec Mars en Bélier et avec Pluton en Verseau. Donc par rapport à Neptune, qui représente la spiritualité et qui est accentuée parce que dans le signe du poisson, donc elle est chez elle. Et Saturne qui se trouve dans le même signe mais qui elle représente le rationnel, l'ancrage, le réalisme, eh bien ça va permettre justement d'ancrer et de rendre concret un souhait qu'on aurait pu avoir depuis un certain temps dans un domaine de notre vie. Même comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment jouer au niveau relationnel ou au niveau matériel. Ça va nous permettre de rendre officiel justement une union ou un engagement, quel qu'il soit. C'est vraiment... Ça nous donne cette opportunité de trouver un équilibre entre le ciel, donc le poisson, et la terre, donc le taureau, et d'agir en conséquence. Parce que Mars, qui se trouve également chez elle en bélier, eh bien, a toute son énergie d'action, en fait. Elle a vraiment l'enthousiasme à 100%. Et donc on aura vraiment l'énergie de passer à l'action, de faire ce qu'il faut en fait pour concrétiser un souhait ou pour profiter d'une opportunité importante en fait, d'une opportunité rare. Donc Mars, étant donné qu'elle n'est pas loin en fait de Chiron, ça peut aussi être le fait de faire ce qu'il faut ou d'avoir enfin terminé tout un processus en fait pour se sentir mieux au niveau de la santé également, ou pour améliorer un domaine bien spécifique, quoi. Donc voilà, et puis par rapport à Pluton, eh bien, il y a un trigone avec Pluton, donc là encore ça montre ce potentiel de transformation positif et réjouissant dans un domaine de notre vie. Donc ça parlera différemment pour chacun, comme je vous dis à chaque fois. Donc franchement, profitons de ces belles énergies et j'espère sincèrement qu'elles porteront chance au plus grand nombre, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, je pense que je vous ai tout dit. C'est vraiment porteur. Voilà, je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après cette nouvelle lune, parce que les décisions qui seront prises ou les engagements qui seront actés vont vraiment avoir un impact important sur de nombreuses années, je pense. Donc voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de réjouissance, beaucoup de chance, des déblocages. Il peut y avoir la libération de la parole aussi. Il peut y avoir vraiment voilà, le fait d'avoir trouvé le dernier morceau de puzzle, si je peux dire ça comme ça, et puis d'enfin le mettre à sa place dans le puzzle pour que ça devienne vraiment une belle image. Donc voilà, c'est la concrétisation en fait après tout un long cycle, tout un processus qui a pu vraiment durer depuis un certain temps. Tout un processus de travail intérieur, de remise en question, de réflexion, de sortie de zone de confort. Voilà, les énergies ont été chamboulantes, elles ont été fatigantes ces derniers temps. Je pense qu'il n'y a personne qui pourra me dire le contraire. Et puis du coup, là, c'est un petit peu le fait de récolter le fruit des efforts qu'on aura fournis, quoi. Donc c'est vraiment... ce sont vraiment des belles énergies. Voilà. Donc, par rapport aux cartes maintenant, donc pour les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît, prenez uniquement les messages qui vous parlent le plus et voilà. Donc, je vais faire le lien directement entre le tarot et l'oracle miroir, tout simplement parce que ça dit exactement la même chose. À quelques détails près. Donc Là, déjà au début du tirage, ce que ça peut montrer, c'est que dans une relation, il peut y avoir une problématique à régler encore. Il peut y avoir, ou il y a pu y avoir dans le passé, étant donné la carte retour, il peut y avoir là une réconciliation, mais il y a vraiment cette notion où peut-être qu'une personne que vous côtoyez, alors bon, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial, professionnel, amical, etc. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle, mais il peut y avoir une personne en fait qui vous a trahi, qui vous a menti sinon. Donc il y a pu y avoir une infidélité, il y a pu y avoir des mots blessants, des comportements blessants également, des comportements irrespectueux, donc voilà, des choses comme ça. Et il y a pu y avoir en tout cas un schéma négatif au sein d'une relation, et c'est ça en fait qui est en train de se guérir, de s'assainir, d'où l'énergie de Chiron qui est également importante, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir quand même la question d'un engagement, hein, sans grande surprise, hein, vu les énergies astrologiques, mais avec l'oracle miroir, c'est vrai que ça parle directement d'une réconciliation, d'une concrétisation de relations. Là, il y a vraiment réunion, contrat, fécondité, il y a vraiment le fait de s'engager durablement dans une union, voilà, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre, hein. Sauf que avec le tarot, ce qui est intéressant, c'est que ça montre toujours ce qui peut se passer à l'intérieur de soi, ou ça montre ce qu'il y a au-delà du voile, en fait, ce qu'il y a quand même à travailler derrière ce qu'on peut percevoir avec les yeux. Donc du coup là, ce qui peut être travaillé, c'est une notion de confiance en fait. Il y a besoin de rétablir une confiance, il y a besoin de dire quelque chose, de dire une vérité, peut-être de pardonner aussi, ou de guérir vraiment un schéma toxique, ou voilà, il y a ce besoin de se défaire de quelque chose. Ça peut être des rancunes, ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être un schéma de comportement, mais voilà, il y a ce besoin en fait de rentrer dans une totale authenticité. Je vous parlais vraiment, hein, de l'équilibre entre le spirituel et le terrestre tout à l'heure avec les énergies astrologiques. C'est un petit peu ça en fait, c'est de s'engager concrètement, donc d'une manière terrestre, dans un lien, sans se mentir, donc sans mentir à l'autre et sans se mentir à soi en fait. Donc là, il y aura quand même besoin, je pense, de régler quelque chose avec cette personne, parce que cette personne n'a probablement pas été honnête, n'a pas toujours bien réagi, parce qu'il y a quand même, voilà, hein, la carte du 3 d'épée qu'on n'aime pas trop, il y a le 7 d'épée qu'on n'aime pas du tout non plus, la carte du diable, et puis en dessous, il y a la carte de la jalousie qui représente également cette énergie du 3 d'épée, donc il y a quelque chose à régler, voilà. Donc il peut s'agir, puisque là il y a quand même la carte de l'homme, et puis au-dessus il y a des cartes aussi qui parlent d'énergie masculine, enfin surtout dans la lignée d'à côté. Donc là on peut parler d'une énergie masculine, quoi qu'il en soit, qui y voit clair en fait, ou qui a compris qu'il ne pouvait plus, alors je dis il parce que c'est une énergie masculine, mais ça peut également être une femme, hein, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui a compris qu'elle ne pouvait plus fonctionner d'une certaine manière, ou qu'elle ne pouvait plus continuer peut-être à tromper une personne s'il y avait adultère ou infidélité, ou peut-être que cette personne aura compris que voilà, elle se ment à elle-même et puis qu'en fait elle se porte préjudice en fonctionnant comme elle le fait, vous voyez. Donc là, il peut y avoir une espèce de révélation, en fait, une compréhension assez conséquente qui va permettre à cette personne de se remettre en question, tout simplement. C'est une remise en question, là. Il y a quelqu'un qui comprend ses erreurs, voilà. Donc, il peut être question d'un déplacement à faire par rapport à un projet ou par rapport à une relation qui est en train de se construire. Voilà. Je préfère dire ça comme ça parce qu'il y a quand même plusieurs cartes qui parlent dans temps de construction, en fait. Avec ce 7 de Pentacle, il y a vraiment cette notion, avec ce 7 de Pentacle et le 3 de Pentacle d'ailleurs qui est en dessous, il y a vraiment cette notion de construire à 2 ou à 3, à 4, enfin tout dépend dans quel domaine c'est, hein. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être voilà, le fait de se réunir avec des collègues et puis de mettre vraiment en place un projet important et de commencer à en parler et de commencer à poser des actions concrètes pour que ce projet voit le jour et que tout se passe bien. Et si c'est au niveau amoureux ou voilà, dans une autre relation, eh bien ça peut être simplement de discuter d'une manière constructive avec une personne, justement pour parler de toutes ces choses qui ont pu décevoir, pour sortir des mensonges, des non-dits, de la trahison, tout ça, pour arranger les choses, pour être à l'écoute de l'autre et pour installer eh bien une réciprocité dans le respect et dans voilà, d'installer en fait une dynamique vraiment porteuse et constructive dans la relation. Donc ça sera grâce en fait à cette compréhension de cette énergie masculine. C'est ça en fait qui va permettre de pouvoir faire bouger les choses. Il peut y avoir une distance avec cette personne, tout simplement parce que cette personne, en fait, elle avait besoin de cette distance, ou elle avait besoin de comprendre seule quelque chose pour sortir d'une immaturité, en fait, pour sortir aussi de... peut-être d'une triangulaire, donc peut-être que cette personne voilà, était dans l'adultère ou autre, hein, avec une énergie tierce, et puis du coup ben voilà, cette personne va peut-être mettre un terme à cette relation d'adultère, si je peux dire ça comme ça. Sinon pour d'autres, eh bien ça peut être voilà, que cette personne va mettre en terme aussi un schéma qu'elle a à l'intérieur d'elle, donc je dis elle, la personne, hein. Et donc voilà, pour permettre justement, pour donner toutes les chances à un projet conséquent, un projet de cœur ou une relation importante. Donc là, il y a vraiment en fait un enjeu dans cette remise en question, et l'enjeu c'est une réconciliation justement, ou un engagement, et pour ça cette énergie masculine qui est apparemment remplie de peur et dans un schéma d'auto-sabotage également. Je regarde juste, c'est le pendu, hein. Je regarde juste, ouais. Donc cette personne doute peut-être de la réussite en fait d'un projet ou d'une relation. Et du coup, à cause de ces doutes, eh bien, restait dans une dynamique d'auto-sabotage et se comportait mal ou réagissait mal ou ne disait pas ce qu'il fallait ou voilà, peu importe, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et du coup, voilà, ça a amené du retard dans ce projet, dans cette relation. Et ce qui peut retarder aussi, c'est un entourage. Donc ça peut être des collègues, si c'est au niveau professionnel. Ça peut être l'avis de la famille, d'un entourage qui a une influence en fait sur cette personne et qui avait plutôt tendance, inconsciemment peut-être, à freiner les ardeurs de cette personne pour s'engager vraiment. Voilà. Alors bon, j'espère que je suis assez claire dans mes explications parce que c'est assez précis, mais en fait c'est simplement que j'ai tiré tellement de cartes que oui, ça ne peut être que précis avec toutes ces cartes là. Donc voilà, là il sera question en fait de sortir de ce blocage pour trouver un arrangement, pour arranger une situation, pour se réconcilier ou pour s'engager officiellement dans une relation. Donc il va y avoir des communications importantes et puis en fait voilà, en fait cette personne qui s'est remise en question va comprendre qu'elle ne peut plus c'est ce que je vous ai dit avant en fait, cette énergie masculine, parce que là, il n'y a que des énergies masculines, hein, il n'y a aucune énergie féminine. Hein, donc, c'est soit un homme, soit une femme, mais qui est dans une énergie masculine. Et donc, cette personne comprend qu'elle ne peut plus fonctionner comme avant et comprend que... comment je pourrais dire ça ? Si elle continue comme ça, elle va perdre quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc une relation, un projet, hein, je dis vraiment quelque chose. Et en fait, voilà, cette personne devra peut-être faire un choix, étant donné ce set de couple-là. Il peut y avoir voilà une confusion, mais là il y a vraiment le fait de sortir de cette confusion étant donné la carte du soleil ici. Donc à partir du moment, si par exemple il y a une triangulaire, par exemple, hein, je dis dans le cas du domaine amoureux, s'il y a triangulaire et puis qu'effectivement il y a eu trahison, etc., infidélité, eh bien cette personne va enfin comprendre avec qui elle veut être. Donc cette énergie masculine va enfin comprendre avec qui il veut être. Et du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, il va communiquer sa décision et déclarer ses sentiments à quelqu'un ou faire une offre à qui de droit. Voilà. Donc, voilà, ça c'est au niveau amoureux, mais bien sûr, ça peut être aussi au niveau professionnel, tout ça, hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais là, vraiment, il y a un choix qui est fait et il y a le fait de sortir d'une confusion, de sortir des doutes, en fait. Et il y a une notion de d'oser, de sortir, en fait, d'un schéma d'auto-sabotage. Il y a vraiment... En fait, il y a quelqu'un qui... se comportait mal à cause d'un schéma intérieur qui était en fait une souffrance, une blessure de valorisation en fait, ce sentiment de ne pas être capable, de ne pas être assez bien. Voilà, c'est une notion d'auto-sabotage. Et donc comme avec le tarot là, eh bien il y a cette notion de retour, hein, donc de réconciliation et puis de communication. Voilà, donc il y a vraiment une personne, après avoir réfléchi et après avoir compris ce qu'il fallait comprendre, va exprimer en fait ce qu'il faut exprimer pour pouvoir débloquer une situation et s'engager vraiment. Voilà. Donc, j'ai également tiré 3 cartes avec l'oracle Romy. Donc, dans l'ordre, c'était comme ça. Donc, en fait, ça confirme simplement tout ce que je viens de vous expliquer. C'est que avec la première carte du rien au tout, en fait, ça demande vraiment de se délester de quelque chose qui freine. Et ça peut être des doutes, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des blessures émotionnelles. Pardon. Ça peut être aussi en lien amoureux, se délester dans lien voilà, avec une autre personne pour s'engager avec la bonne personne pour soi. Voilà, il y a vraiment quelque chose dont il faut se délester pour eh bien faire la place à ce qui est le mieux, d'accord, donc à une bonne relation, à peut-être même une relation destinée là, hein. Il peut y avoir aussi un projet destiné, hein, étant donné que ça va vraiment prendre place pour les prochaines années en fait, hein. Là il y a vraiment un nouveau long cycle, hein, qui commence, mais qui sera beaucoup plus aligné avec notre âme, avec nos besoins, avec nos ressentis, etc. Ça a l'air vraiment d'être un nouveau cycle, en tout cas rempli de belles promesses. Alors voilà. Et donc, eh bien, il va falloir faire la place pour pouvoir accueillir toutes ces belles choses. Voilà. Donc, avec la deuxième carte, laisse l'amour opérer, eh bien, voilà, là, il y a vraiment le fait de réussir, en fait. Quand on lit le texte de cette carte, elle commence par dire, en fait, qu'on a réussi à se délester de ce qui est indigne pour pouvoir accueillir, justement, l'authentique, le vrai, l'essentiel. Et du coup, c'est une suite logique par rapport à cette carte-là. Donc là, il y a vraiment une réussite, une victoire. Et puis, en fait, avec cette carte ici, c'est assez intéressant parce que ça reprend clairement les messages des autres jeux. C'est que pour pouvoir accueillir cette réussite-là, ou cet amour, hein, ou vraiment quelque chose de beau, eh bien, il va falloir accepter de prendre des risques, entre guillemets. Pas des choses qui sortent du raisonnable, d'accord? Mais là, ce que je dis, c'est que c'est d'accepter de prendre des risques. Et ça veut dire que peut-être que, voilà, pour pouvoir vous engager dans un projet, vous allez devoir déménager. Vous allez devoir changer de travail, vous allez devoir, pour certains ou certaines, vous allez devoir laisser tomber une relation, une triangulaire pour pouvoir vous engager véritablement dans une relation officielle avec quelqu'un. Donc voilà, c'est ça en fait, hein, prendre des risques. Ce qu'elle vous dit en fait, c'est que vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous allez lâcher. Et puis aussi que il est temps d'arrêter de vous empêcher de vivre. Voilà, donc elle parle également d'auto-sabotage, cette carte. Il est temps d'arrêter de vous empêcher de vivre. Je peux pas le dire autrement parce que c'est vraiment une des phrases du texte de cette carte. Donc voilà, il y a effectivement ce quelque chose de beau qui est possible, il y a la réussite qui est assurée dans un domaine. Par contre, cette carte, elle parle aussi du temps que ça va prendre pour que ça se mette en place sur la durée. Donc c'est complètement en accord avec les autres jeux, quoi. Voilà. Voilà pour cette guidance sur cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ciao, ciao!